Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous retrouve pour un petit haul Noz. Et oui, je suis allée chez Noz. On est vendredi dernier. Donc il était grand temps que je vous filme ça parce qu'entre les retours de recyclerie, de brocante, etc. Allez, haul Noz, c'est parti. Donc à 3,49 je crois. Ouais, ça doit être ça. J'ai repris un bain de bouche. Alors ça tombe bien. Soin blancheur Listerine. C'est quand même cher, 3,49 encore chez Noz. Combien ça coûte ça en temps normal? Moins 5 balles du coup. Ça tombe très bien parce que j'ai fini le mien. Donc bah, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai déjà entamé le truc. Il y a quand même une grande contenance, parfum menthe, 600 ml. Nickel, je vais pouvoir aller ranger tout ça, j'avais hâte. Pareil, j'ai fini mes crèmes pour le corps, donc j'en ai plus d'avance. Donc j'ai repris celle-ci, donc c'est à 1,99 Body Lotion. Et la marque c'est Innecto. Ça sent l'huile d'argan, il y a 250 ml. Je sais plus, j'avais essayé parce que je l'ai quand même essayé. Hein, tu penses bien, parce que c'est dans le sac depuis quasi une semaine. Donc moi, j'avais besoin de m'hydrater, les mois. Ah oui, ça sent bon. Ça sent bon, si, si. Alors par contre, je crois que ça a un effet, tu sais, plaqué, plâtre. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas l'impression que ça hydrate des masses une fois que c'est posé. Si t'as compris ce que j'ai dit, t'es fort. Alors là, avec Adoration, j'étais trop contente parce qu'on a trouvé, il y avait... pain d'épices et noix de coco, c'est du liquide vaisselle. Et en plus, honnêtement, ça sent vraiment fort la noix de coco, quoi. Ingrédients d'origine naturelle et agents actifs nouvelle génération. Alors, tout écrit en français. Pourtant, bingo, j'étais persuadée que c'était un truc anglais. 70 centimes, on l'a payé. Donc, non, je sais pas d'où ça me vient, que c'est anglais, ça. Bon, bref. Ça sent trop bon la noix de coco. C'est rare, un parfum de noix de coco pour les liquides vaisselle. Ça, un 1,45, alors ça tombe bien parce que j'ai deux gels douche en cours, mais comme je me lave plusieurs fois par jour de cette chaleur, et ben je vais te dire, on est pas loin d'être fini. Donc j'ai pris celui-là, The Good Stuff, à 1,45. Je trouve que c'est pas mal pour la contenance. Packed with skin friendly goodness. C'est à la cerise. Ça, c'est fait au Royaume-Uni par contre. D'accord. Attends, je crois que j'avais senti, ça sentait trop bon. Ça sent vraiment la cerise. Ça sent vraiment la cerise, on dirait un bonbon. J'espère qu'il est aussi bien qu'il sent bon. J'espère qu'il reste sur la peau. Fingers crossed. Oh, genre. Alors là, une petite déception, je t'avouerai, parce que j'ai pris ça. La marque, c'est Astra. Alors, il y a du soleil, évidemment. 75 centimes. Bon, je me suis pas ruinée. Hein, à mettre sur les pieds. Très bien pour appliquer. Il sèche vite. Il a un bel effet. Mais alors, par contre, au bout de deux jours, il n'y a plus rien. Même 24 heures. Donc, j'étais hyper déçue. Donc, à mettre sur les ongles de pied, en fait. J'ai essayé ça, non. J'ai pris ça aussi, bah Astra toujours. Donc un fond de teint, semi-mat permanent finish, SPF 15, 1,99. Donc on va essayer ça. Et elle l'a passé deux fois, c'était donc numéro 01. Voilà. Elle l'a passé deux fois, j'ai entendu bip bip. Après elle a retapé quelque chose, donc je me suis dit c'est bon, elle a annulé. Et en plus elle me dit, oh c'est mon premier jour. En plus il y avait plein de monde en caisse et tout. Elle avait des retours, enfin bon, à faire, elle a pauvre. Et je l'ai vu tout de suite sur le parking, je dis, oh, je vérifie, je dis à Ado, parce que j'ai l'impression qu'elle l'a passé deux fois, ça a bipé deux fois, effectivement, donc je l'ai payé deux fois, mais je dis à Ado, non, j'ai pas envie de la faire chier, de retourner, la pauvre, elle avait l'air déjà stressée, donc je me dis, oh, vas-y, c'est pas grave, tant pis. Ado, tu es riche, toi. Bah, je dis, ouais, mais non, ça m'embête de l'embêter avec ça, quoi. Donc bon, tant pis. Tant pis. Donc j'espère qu'il est bien, parce que je l'ai payé 4 euros, finalement, celui-là. On le fera en crash test. J'ai trouvé des petites chaussurettes, alors franchement, trop sympa. Elle me faisait penser aux années 2000, je sais pas pourquoi. Je les ai essayées en plus et franchement, je me suis dit, je marcherai jamais avec ça. 4,99 je crois. Ouais, ça doit être ça. Et honnêtement, quand je les ai essayées, j'ai commencé à marcher dans l'appart avec et je me suis dit, bon, en fait, ça va. Donc, tu vois, c'est un... avec des strass, là. Et là, en fait, tu mets ça autour de ta cheville. Donc, nickel. Je suis contente. C'est parce que je cherchais des talons. J'avais vu qu'il y avait des talons chez Noz. Bien sûr, moi, je ne trouve jamais les arrivages... des pages que je suis arrivage Noz. Alors bon, il y avait celle-ci en tout cas. Je vais ramener face à le vitra que je me pense, je ne sais pas. Mon magnifique sac que j'avais en brocante. Il est trop mignon celui-là. Et d'un côté en plus, là je pense que c'est ici les petits strass. Moi je le trouve mignon. Il est très pratique pour faire les courses. Ensuite il y avait des arrivages de Revolution Beauty. Alors j'en ai pris deux. C'est des peelings. Intense, soi-disant à 1,99 pièces. Que tu es à l'endroit. Non. Enfin, tu auras compris. Voilà. Donc, tu en as un intense peeling hebdomadaire à l'acide pour peau mixte. Et l'autre, c'est peeling hebdomadaire, pardon, à l'acide pour peau grasse. C'est vegan et cruelty free. Donc,
non testés sur les animaux et vegan. Donc, c'est les produits d'origine naturelle, pas animale. Et sans parfum, sans... J'en ai fait un, j'ai fait celui-là. Je sais pas trop ce que ça promet. Peeling hebdomadaire avec l'acide. Là, tu as 10% d'acide phytique et 2 d'acide salicique. Et là, voilà, je te montre là. Voilà. Je sais pas trop en fait. Ouais, peeling, ok, bah je vais. Made in the UK, fait au Royaume-Uni. J'en ai fait un la semaine dernière, j'en ferai un cette semaine. Bon, j'ai pas vu de. Voilà, j'ai pas vu un truc de fou quoi. Pareil, toujours la marque Georges, j'ai pris une poudre. Voilà, et moi je m'en servirai clairement pour faire. Oh, ça sent bon. Un genre de petit bronzer, tu vois. Parce que c'est une poudre matifiante. Mais je pense qu'elle est un petit peu trop foncée pour faire une poudre matifiante. En plus, j'en ai commandé une NYX là-bas. Tu vois, regarde la différence. Donc, tu vois, c'est vraiment pour faire un petit... Ici, là, c'est vraiment pour faire un petit bronzer, en fait. Plus un bronzer. Et ça, je vous en parlerai dans la facteuse. J'ai repris un primer à 1,29€, toujours de la marque Georges, qui blurs and matifie. Il matifie, quoi. Et... lisse, voilà. On verra si c'est le cas. Fait en France. Ah, il est... D'accord, il n'était pas ouvert pourtant. D'accord, bah écoute, on verra ça. Hein. Il y aura plein de crash tests à faire, du coup. Ensuite, nous avons un autre fond de teint mat, léger, tenue légère, 1,99€, toujours de la marque Georges, je ne connaissais pas du tout, Made in France. Et la teinte, c'est Ivory. Je te l'ai mis à l'endroit cette fois, oui. Voilà. Et c'est, ça fait très classe. Je fais tout tomber par terre. Ça fait très classe comme packaging. J'aime bien. J'avais essayé. Je pense que c'est un primer déjà que j'ai chez eux. Parce qu'ils avaient un arrivage Georges. Donc voilà. Georges, toujours. Moi, j'avais pris la dernière fois l'highlighter. Et là, on est tombé sur une fille avec qui on a sympathisé. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Je sais plus. On se suit sur Instagram du coup. Et en fait, elle me dit, oh, mais il y a aussi la palette contour. J'ai, oh, donne-moi ça. Donc, tu as bronzer, contour foncé, light contour. Ouais, light contour, donc poudre pressée. En plus, elle est bien claire. Et tu as un highlighter. Oh, ça m'a l'air sympa, ça. Alors, par contre, le dark contour, à mon avis... Oh. D'accord, il a l'air beaucoup plus foncé qu'en réalité il n'est. Regarde. Oh oui, dis-nous. Faut pas que tu verras quoi que ce soit. Faut dire que si tu filmes dans le soleil, carrément, c'est pas pratique. Donc elle était à 1,99€. Tout était à 1,99€ dans le make-up. Ce n'est pas fini. Il y avait une promo de 1,25€ qui est passée à 60 centimes, je crois. Ça aurait été 50% du coup. J'ai repris un petit pinceau comme ça. La marque, bah écoute, je ne vois pas. Est-ce Georges encore non? Il n'y a rien d'écrit. Voilà. Alors là, il y a un petit poil. Voilà. Il n'y en a plus. Poser, tu sais, les poudres. Donc je vais mettre tout de suite avec mes pinceaux. Il y en a un autre. De la marque. Vulta. Je ne sais pas. Ah, 0,99 centimes. Ça, c'est le pinceau estompeur. Il m'a l'air un peu rêche quand même. On verra ce que ça donne. Je me suis dit, de temps en temps, c'est pas mal un peu de... Bah, tu vois, il y a un poil qui dépasse. C'est pas mal de renouveler un petit peu les pinceaux. Surtout ceux-là, on les utilise beaucoup pour les yeux. Et là, j'en profite quand je vois des petits prix comme ça, quoi. Nous avons une huile à 1,79. Vous savez que j'adore utiliser ces huiles. Huile de macadamia. Les cheveux, les pieds, les sacs à main quand je dois les nettoyer. J'adore nettoyer mes sacs à main avec ça. Et un chiffon microfibre, les sacs à main de brocante en cuir. C'est le top, j'aime beaucoup leurs petites huiles. Je sais que la compo n'est pas bonne. J'ai repris un petit blender, un petit beauty blender à 99 centimes. Voilà. La marque, c'est quoi? C'est caché. Beauty. Je sais pas quoi. Donc voilà, parce que je pense que j'en avais besoin. J'en avais plus que un avec et une grosse éponge, mais un vraiment que j'utilise tout le temps. Donc bon, pour les crash tests, j'ai aussi pris une petite palette, bah Georges toujours, hein. Eyeshadow dans les tons un petit peu froids. Alors elle est passée à 2,49€. T'as le petit machin, moi je ne m'en sers pas.
Et en fait, surtout, ce qui m'a appelé, c'est cette couleur-là, je te dirais. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça fait vraiment très froid comme couleur. Oh, dis donc, elle soit du bien. Ok, donc on verra. Tout ça, je mets pour les crash tests. Je vais prendre ma petite, petite éponge, là, enfin mon petit chiffon microfibre. Voilà, parce que c'est bien, mais après, je vais avoir les trucs, tout ça. Un highlighter à 1,29. Pareil, Georges, je te dis, Georges, hein, Georges, Georges, Georges. Vegan. Si quelqu'un peut me dire d'où vient cette marque, je veux bien savoir. Regarde, eux, ils mettent bronzer. Non, 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 non. Highlighter, oui. Wow. Tu vois? Oh, à mon avis, celui-là, il va être sympa. J'ai encore... Attends, j'essuie mon enfant. J'ai encore deux trucs. Voilà, et après, nous en aurons fini. Alors ça, Adoration, elle m'a dit, prends-la. Elle est passée à 2,99€. C'est la marque Gabriella's Cosmetics. Voilà, et elle m'a dit, mais laisse tomber la qualité du truc. Donc déjà, c'est très gros, les... Je crois que tu vas pouvoir les enlever. Non? Ah, rien, bah si tu mets ton ongle dessus, évidemment. Oui, tu vas pouvoir, tu peux les enlever. Sans mettre tes ongles dessus, ce sera bien. Donc, c'est pour les yeux, mais je pense que tu dois pouvoir clairement te faire des highlighters avec. Sur certains de ceux-là, à mon avis, on va tester le bleu aussi. Pareil, crash test à venir. Hein. Ok. Ok. Ok, ok, ok. D'accord, ok. Par contre, ça risque de texturiser vraiment la peau, quoi. Mais, oh, waouh. Bon, ça, en highlighter joue, quoi. En highlighter joue, même. En plus, les contenants sont assez larges. Donc, on va aller faire un crash test avec ça, parce que elle m'a dit, Adoration, tu vas avoir la qualité de ce truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est que cette marque. Ça ne me parle pas du tout. Et là, j'ai pris Gabriella's Cosmetics aussi, à 99 centimes. Un rouge à lèvres et la teinte c'est Naked. C'est un packaging noir mat, hein, tout simple, tout bidon. Et bien sûr, vous savez, avec le petit logo là de la marque, vous savez que ça c'est une de mes couleurs préférées. Bah, c'est un peu ce que je porte là actuellement, d'ailleurs sur mes lèvres, un peu. Non, pardon, j'ai remis du gloss. Je me suis relavé les dents entre temps. Voilà, donc c'est vraiment un nude qui tire un peu vers le rose. Est-ce que ça va aller, ça? Ah ouais! Ah, j'aime trop, j'espère qu'il n'y a pas trop scintillé, j'aime trop! Attends. Ça fait même limite blanc, mais j'aime trop. En plus, tu peux le mélanger. Si tu mets un rouge à lèvres plus foncé et ça un petit peu au milieu pour faire un ombre ellipse. Ça fait très très nude, mais très très clair. J'aime trop! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du make-up avec un rouge. Ça fait longtemps que c'était plus la mode, un rouge comme ça. Bon, tu sais, très très palo. Tu sais, on dirait que tu vas au ski et que tu as mis ton FPS 70. Ça n'existe pas, SPF. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce petit haul nose vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.